Nous sommes très heureux de vous voir vraiment assis autour de votre poste téléviseur pour l'émission, la vôtre, la plus préférée d'Evanouin. Et nous sommes avec nos invités ici et je pense que nous sommes là pour parler de la rentrée et la sécurité routière. À cet effet, nous avions invité Monsieur Pandam Saint-Éloi, il est le responsable du centre de formation des conducteurs professionnels CFCP et il est aussi le président de l'UNAETO, Union des auto-écoles agréées du Togo. De l'autre côté, nous avons Monsieur Jean-Paul Jean-Claude, il est directeur de l'auto-école Adonai. Et il est aussi le président de l'association des Vanuins. Et moi, je suis Manassé Sossou et je suis de l'auto-école J. Le Rocher. Alors, comme je l'ai annoncé au départ, nous allons, avant d'aborder notre thème, parler un peu de les œuvres de des Vanuins. Comme vous le savez, nous sommes là pour la sécurité routière et au-dedans, nous supportons les enfants des victimes des accidents de circulation ou ceux-là qui sont devenus des orphelins à cause des parents qui sont partis au cours des accidents de la route. Alors, je laisse la place à M. Jean-Claude pour en parler. Alors, M. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok. Alors je pense que vous avez un mot. Un mot? Nous avons des mots. Bon. Puisque nous avons assez à dire, ben, on ne peut pas tout dire. Voilà. Nous tenons à dire merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont dans leur boulot, dans leur bureau, et ceux qui sont à la maison, que le Seigneur les soutienne. Alors, l'association des Vanuins, comme le mot le dit, allait revenir en toute sécurité. Nous sommes là, et nous, c'est pour le bien-être de la population togolaise. Nous œuvrons dans la sensibilisation au niveau des carrefours, de ceux qui font cette profession de conduite. Et ceci étant, nous avons remarqué vraiment qu'il y a des victimes qui sont ignorées complètement. C'est-à-dire que les enfants, les victimes des accidents de la circulation, que devient-il? Que deviennent ces enfants? Alors, ça nous tient vraiment à cœur au niveau de l'association des Vanuins. Et à cette rentrée, nous voulons vraiment apporter notre soutien à ces enfants. Nous demandons l'appui des uns des autres. Le concours de celui qui me voit, un grand frère qui me voit en ce moment, une grande dame qui me voit en ce moment, une société est quand même devenue en aide à ces enfants-là. Je me dis, que deviennent les enfants des victimes des accidents? Bon, qu'est-ce que vous faites pour ces enfants particulièrement? En fait, c'est d'abord, psychologiquement, il y a un souci. Et, au niveau de ces enfants, ou soit même des orphelins et des veuves même, nous apportons notre secours. Et en matière de quoi, actuellement, nous sommes à la rentrée des classes. Il faudrait que nous arrivons quand même à combler ce vide-là qui s'est créé dans ces familles et les kits quand même scolaires que nous devons apporter à ces enfants. S'il faut arriver même à payer le collège de ces enfants, tout ce que nous pouvons faire quand même pour soulager tant soit peu la souffrance de ces familles-là. Donc nous arrivons à le faire. Okay. Donc je tiens déjà à dire merci à ceux qui se manifestent déjà, puisque nous recevons des gens dans nos locaux, c'est-à-dire dans nos bureaux, qui viennent déjà avec des kits, et que Dieu les bénisse. Pour rappeler aux uns aux autres que nous sommes
à GTA, sur l'avenue de la Chance, et précisément dans le cabinet où que la Donaï, nous faisons face à l'ONATO, à la direction de la l'ONATO, ou soit venir à Toti, dans l'enceinte de l'auto-école Gilles Rocher, pour vos dons. Et quand vous venez, essayez de nous laisser toujours vos contacts, puisque les gens viennent, mais ils ne veulent pas se dévoiler. Voilà, ils donnent ça dans l'anonymat. Mais nous vous dirons vraiment, qu'on les remercie voilà, aussi. Puisque nous devenons des coursiers, donc il faudrait que nous rendons ces cadeaux acquis de droit et puis faire un retour à eux. C'est très important. Ok. Monsieur Pandam, bonjour. Bonjour, monsieur Menassé. Alors, voilà ce que monsieur Sankpo vient de dire. Est-ce que vous aviez un mot? Oui. Dans ce genre d'action, nous ne pouvons que... C'est une action louable. Nous ne pouvons que soutenir. Et c'est vraiment soutenir et demander aussi de notre côté que les bonnes volontés se manifestent. Tout ce qu'on fait de bien n'est jamais perdu. Nous sommes là. Notre plaisir devrait être rendre heureux les autres. C'est-à-dire quand tu tires ton plaisir de faire le bonheur autour de toi, c'est ça le réel plaisir. Donc je me joins à l'association pour demander aux bonnes volontés d'aider ces enfants parce que ça nous regarde. Même si ça ne nous regarde pas, nous regardons ça. Voilà. Donc, ça nous regarde et nous regardons ça. Donc, il faut faire quelque chose. Merci beaucoup et je pense que c'est entré dans de bonnes oreilles pour nos téléspectateurs. Alors, nous revenons à notre thème du jour qui parle de la rentrée et la sécurité routière. Alors, bien avant d'entamer le thème, nous allons voir quelques images. Merci pour le technicien, pour les images. Alors, je m'en vais vous poser la question de savoir quel est le lien entre la rentrée des classes, ce que nous avons déjà vécu depuis hier, et la sécurité routière. Monsieur Panda. Merci. Alors, le lien, c'est... Vous voyez, par exemple, au Togo, la plupart de nos établissements, quand vous prenez la nationale, sont au bord de la nationale. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand vous prenez, vous quittez déjà Lomé à partir de Thévier, les collèges que nous croisons sont toujours au bord de la route, avec une seule voie d'accès, qui est la même nationale que les véhicules utilisent. Vous verrez qu'en allant, soit... Les élèves doivent traverser pour aller chez eux. Les élèves doivent emprunter cette nationale pour aller à l'école. Déjà, cette configuration, sincèrement, n'est pas la bonne. Nous construisons des collèges toujours aux abords des nationales sans autre accès à ces collèges-là. Alors, quand la rentrée arrive, ça devient problème. Puisque déjà, nos routes elles ne sont pas assez larges. Aussi bien, les élèves doivent l'emprunter, donc empiéter une grande partie puisque nous n'avons pas de trottoir, les camions, les usagers de deux roues et tout ça. D'où cela devient encore très problématique. Le lien, c'est l'utilisation de cette route-là. Ok, merci beaucoup, M. Pandam. Nous tournons vers M. Adonai.
Alors, merci. Moi, je m'avais dit que déjà, 3 mois passés, dans la circulation, je ne peux pas dire que c'est aisé, mais il y a quelques souplesses. C'est-à-dire qu'on se dit de 6h30 à 8h, il n'y a pas de mouvement. Assez de mouvement, c'est juste ceux qui vont, c'est-à-dire dans les services. Et de midi 30 à, disons midi à midi 30, il y a encore un autre mouvement. De 14h30 à 15h, un autre mouvement. De 17h à 18h, un autre mouvement. C'est-à-dire que là, l'équation... Ce sont les heures de pointe, ça? Oui, c'est les heures de pointe, mais il y a un problème encore qui se crée parce que nos enfants vont quitter la maison. Dans ces heures-là, l'équation serait vraiment différente par rapport aux autres jours, c'est-à-dire aux autres mois passés. Parce que les enfants vont... Oui, bien sûr. La circulation ne serait plus la même. Voilà. La circulation ne serait plus la même. Donc, ce qui fait que il faut plus de prudence. C'est pas la même équation. C'est comme conduire à Lomé et conduire sur les montées de Daï. C'est différent. Parce qu'il faut d'autres réflexes, il faut d'autres tactiques, il faut d'autres techniques, il faut faire vraiment être présent, il faut vraiment plus d'attention, c'est ça. Et c'est quoi? C'est que nos enfants doivent traverser, c'est le comble aujourd'hui. En dehors de ce fait qu'ils doivent traverser, il y a d'autres qui sont engagés pour venir prendre nos enfants à la maison. Mmh. Voilà, les deux roues, par exemple, qui devaient en principe prendre une personne, ils embarquent jusqu'à 7 enfants. 7 enfants sur la moto, vous voyez. Donc, okay. Le lien est que la sécurité pour ces gens-là. Okay. Est-ce que les dispositions sont prises vraiment à ce moment de rentrée? Ce n'est pas seulement des souhaits, mais que des dispositions pratiques soient prises comme ce que nous venons de voir. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont là, au niveau des passages écloutés, qui dirigent les gens, c'est-à-dire ceux qui doivent emprunter ces passages écloutés. Est-ce que des décisions sont prises à la société civile? Ok, bon, je pense qu'au cours de ces rentrées, quand on parle de rentrée, ça vise principalement les écoliers, les élèves, les étudiants. Et aujourd'hui, nous les voyons traverser la route de part et d'autre. Bon. Comment est-ce que ça doit se faire, Monsieur Pandam? Alors, comment est-ce que ça doit se faire? Normalement, le code l'a prévu. Est-ce que nos dispositions respectent ce que dit le code? C'est là la question. Est-ce qu'à tous les niveaux, on a des panneaux qui signalent la traversée des élèves, ce qu'il faudrait normalement en ces rentrées et mettre? Est-ce que nous avons des passages piétons, c'est-à-dire des passages cloutés à tous les endroits? C'est une question. Et si nous les avons, est-ce qu'il y a eu une sensibilisation suffisante au point? Parce que nous voyons quand même à certains endroits, quand bien même il y en a, ceux qui traversent ne vont pas à cet endroit, à cet endroit aménagé pour eux. Ça veut dire aussi qu'il y a un problème. Soit ils ignorent à quoi ces marquages servent. Donc il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien du côté de ceux qui aménagent nos voies et du côté des enseignants eux-mêmes. D'où nous avons déjà dit sur une de nos émissions qu'il fallait introduire la prévention routière dans les établissements. Parce que nous avons, quand vous quittez, d'ailleurs, il y a certains marquages qui ne sont pas là hors agglomération, à savoir le passage piéton. Mais malheureusement, nous avons, comme j'ai dit tantôt, des collèges qui sont situés hors agglomération et ces gens traversent. Eux, ils n'ont aucune idée. Ils traversent comme ils peuvent. Ils regardent, même s'il y a un tournant, lui, il ne voit pas. Dès lors qu'il pense que c'est clair, il court. Il s'engage et surtout, là où c'est dangereux, c'est pour l'enfant, parce que l'enfant est imprévisible. Il n'est pas loin de commencer la traversée et puis encore freiner, s'arrêter. Même retourner. Retourner, ce qui pose problème. Donc, il faut vraiment une réelle... Et sensibilisation, surtout normalement. Moi, je pense que d'ailleurs, 3 mois avant la rentrée, il faut se mettre à sonner là-dessus. Bientôt la rentrée, faites comme ça.
Et jusqu'après la rentrée, 2 mois pour accompagner, encore toujours parler. Maître, comme Adonai le disait, si vous n'avez pas tout ça, mettre des accompagnateurs. Des gens qui vont jouer, si vous voulez, au panneau, et arrêter les véhicules, accompagner, aider les enfants pour la traversée. Vous savez déjà que malheureusement, on déplore déjà une victime pour cette rentrée qui a été au nord percutée et qui a perdu la vie. Mais déjà ? Déjà, nous sommes... On a perdu un enfant ? Tout à fait, déjà. Donc voilà pourquoi je dis qu'il fallait... En amont, avant même la rentrée, et beaucoup parler. Nous n'en parlons pas assez. Hein. Pour la prévention routière, franchement, je crois que les gens se désintéressent. Il a dit tantôt, on ne peut pas mettre toute une famille dans un même sac. Hein. Vous prenez des enfants parce que vous vous dites que ce sont des enfants. Vous mettez 5 enfants sur une moto. Nous ne savons pas si c'est économie oblige ou bien quoi. Mais il a dit aussi, nous ne souhaitons pas. Imaginez, nous savons comment nos gens conduisent ici. C'est vraiment un problème qu'il faut prendre à cœur. Nous savons comment nos gens conduisent. Vous imaginez, ça veut dire que si cette seule moto avait un souci, vos 5 enfants sont partis. Ils ont aussi le même souci. Il faut qu'on réfléchisse à cela. Oui, M. Adonai, traverser des enfants. Ah oui, en fait, je crois bien que on doit vraiment beaucoup faire, quoi. C'est-à-dire sur la route, puisque en termes d'éducation, nous avons un souci. En termes d'infrastructure, nous avons un souci. Et c'est comme disait mon collègue tout de suite par rapport à l'infrastructure. Et la configuration de nos routes là ne répond pas. Quand vous voyez ce qui se passe, ça ne répond pas du tout. Nous sommes proches des écoles alors qu'il n'y a pas de passage. Écoutez, il n'y en a même pas. Vous voyez ? Maintenant, à la sortie même de ces enfants, et est-ce que des dispositions sont prises pour que quelqu'un puisse quand même les accompagner et les guider pour les faire sortir ? Quand vous voyez actuellement l'image que nous venons de voir, c'est avec un panneau stop, il y a un gilet, le gars porte un gilet, tout ça là. Bien sûr, est-ce que des dispositions sont prises vraiment ? Parce que nous avons en ville ici, nous avons des écoles. Au bord, c'est toujours, on saute souvent au bord de nos grandes routes, nos grandes artères. Et les ça s'ouvre. Je dis ça s'ouvre directement. Ça s'ouvre directement sur la route. Voilà, c'est-à-dire que c'est de l'insécurité. Ouais. Et c'est ça le problème. Et en termes d'éducation routière, c'est quoi? Il vient de le dire, c'est par rapport à celui qui doit traverser. Choisir la meilleure place aujourd'hui. Est-ce que le monsieur arrive à choisir la meilleure place? Et s'il connaît vraiment que sa place, c'est sur la bande blanche là, est-ce qu'il sait que c'est là-bas qu'il doit passer avant de traverser? Oui, c'est la question qu'on se pose parce que même aujourd'hui, les étudiants, à l'entrée de l'université, vous allez voir des bandes, vraiment, tout est bien fait là-bas. Mais des étudiants... Ils s'en foutent complètement, c'est-à-dire ils ne savent même pas que cette bande-là serve quand même à se protéger, c'est-à-dire quand ils passent sur cette bande-là, tu es vraiment protégé, c'est ton territoire là-bas. Bon, est-ce que ça ne relève pas de la crise d'éducation de base sur la sécurité routière? Parce que si déjà, en tant qu'étudiant, à ce niveau-là, ils ignorent encore. Oui, quand on nous disons... Ou bien c'est le manque de volonté? Non. Pas le manque de volonté. Quand nous disons qu'en tant qu'étudiant, est-ce que c'est ce qu'il étudie? Non, ce n'est pas ce qu'il étudie. Ce n'est pas sa matière, si vous voulez. Mais c'est le manque d'information. Il y a ce problème. Nous, et il faut le dire, il faut généraliser, au Togo, je ne dirais pas que ça, c'est notre cheval de bataille, la prévention ou la sécurité routière. Hein. Sinon, si c'était le cas, ça veut dire que c'est dès le cours primaire qu'on nous apprend. Ça, c'est la base, ça. On nous apprend comment traverser, les feux tricolores et tout. Et si l'étudiant est passé, il est passé par là, qu'il n'a pas eu ça, ben, il a beau avoir son doctorat, il ne le saura pas puisqu'on ne lui a pas dit. C'est un savoir, il ne l'a pas. Puisque c'est justement pour ça qu'il va à l'école. Il va à l'école pour un savoir. Mais ce côté, la prévention routière, alors que nous ignorons, pour aller à l'école, on utilise quoi? La voie. On passe par quoi? Nous ne volons pas. C'est la voie.
La première des choses, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Pour quitter chez toi, pour être ici, voici comment tu vas être. Voici de quel côté de la route tu dois marcher. Et voici où tu dois traverser. C'est très important. Voici les couleurs. Quand tu as un feu tricolore, voici cette couleur, ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Nous ne le faisons plus. Et si lui, il a dépassé ça, il a beau être étudiant, il ne le saura pas. Donc c'est ça, c'est le manque d'informations. Et d'ailleurs même, est-ce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui nos enfants apprennent des choses que nous n'apprenons pas à l'école. On aurait pu profiter, envoyer ces genres de messages sur les réseaux sociaux pour que chacun puisse, au moins, quand ça passe, il voit, il retient. Mais non, nous ne le faisons pas. Vous voyez encore combien de nos vedettes, nos artistes au Togo chantent ou font la promotion de la sécurité routière. Dites-moi, nous chantons tout jusqu'aux obscénités. On parle, les enfants savent certaines choses qu'ils ne devraient même pas. Je n'ai pas besoin de dire ça à la télé ici. Mais est-ce qu'il y a un jour qui sort une chanson pour dire « Ok, cette chanson c'est dédiée à la sécurité routière pour apprendre aux gens que voilà, voilà, voilà. » Nous avons des misses. Nous prenons quoi comme thème? Combien de nos misses ont déjà pris thème sécurité routière au bout d'un temps? Nous avons du travail. Il faut à un moment dire stop, quoi. Quelles sont les dispositions qu'on pouvait prendre pour assurer la sécurité de nos enfants? En fait, dans nos différences, c'est-à-dire réponses à vos questions, nous avons pu répondre indirectement en disant qu'il faut avoir un programme national de sécurité routière. Donc, d'où la volonté quand même de ces autorités qui nous gouvernent aujourd'hui. Il faudrait qu'on prenne à bras le corps ce secteur. C'est très important. Mais si ce n'est pas le cas, un programme général, on en a besoin. Regarde la base du gars de 1 à 5 ans, le monsieur, l'enfant, il s'est inculqué en lui déjà. Voilà. Donc ça veut dire que depuis la maternelle. Depuis la maternelle, il serait plus, facultative, ce n'est plus une matière facultative, une matière obligatoire, et qui est sanctionnée par quoi, un certificat. C'est comme un brevet de sécurité routière, souvent, que les gens délivrent en France et consorts. Voilà. Donc, à 9 ans, avant d'aller à vélo, tu dois avoir, c'est-à-dire, ce brevet-là, ce certificat, pour dire que vraiment, c'est un tronc commun. Tu n'es pas censé avoir un véhicule avant de commencer à savoir qu'il y a telle famille de panneaux, que c'est comme ça qu'il faut. Ça veut dire que si nous retournons à l'enseignement, on doit former tous les enseignants. Non, en fait, ce n'est pas forcément oui, parce ça. Que il doit avoir une discipline. Vous qui êtes ici, on peut recruter qui nous. Qui vient seulement voilà. faire cette matière. Cette matière. Pas besoin de redire que bon, ok, non. nous allons former. Non, il y a déjà des techniciens, il y a déjà des professionnels dans la matière. Il suffit que chaque établissement se dise, ok, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse passer ce cours-là. Vous allez trouver. Même on a des jeunes qui ont la compétence. Donc, nul besoin de recommencer par former, non. Il faut juste une volonté. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, en réalité, ici, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons déjà. C'est juste parler. Nous n'avons pas autorité et compétence à décider pour l'État ou bien pour toute la nation. Et donc, nous, en tant que professionnels, c'est tirer la sonnette d'alarme par rapport à ces événements pour que les décideurs puissent... enfin s'en saisir de ce dossier, c'est ce que nous pouvons faire. Ok. Maintenant, je m'en vais dire aussi, quand vous circulez un peu le dimanche, comment la chose prend une autre ampleur, c'est-à-dire l'insécurité sur nos routes. J'allais dire, un dimanche matin, allez voir au niveau de la plage, il y a du monde, les gens viennent pour le sport, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais comment ils parviennent, c'est-à-dire, à la plage? C'est ça le comble. Vous les verrez, c'est-à-dire, dans la même direction que les voitures. Ils sont nombreux et quelqu'un derrière, il fait ses gestes de main, il faut serrer, non, faites doucement, serrer, faites doucement. Et c'est très dangereux. Le risque est vraiment très élevé. Souvent, moi, j'ai pris le temps, un dimanche,
et d'Atikoumé jusqu'à à la plage, sensibiliser les gens. Mais j'ai dit non. C'est des choses que nous avons reçues sur les bancs. Un piéton marche à gauche face au danger. C'est la chose la plus simple quand même, voilà. Il faut comprendre. En principe, vous ne devez pas circuler comme les véhicules, dans la même direction que les véhicules. Ils doivent faire leur sport en faisant face aux véhicules. Voilà. Non, il y a un laisser-aller. Ce dont il parle là, normalement, ce n'est pas permis. Ce n'est pas l'endroit. C'est que, idéal. Vous savez, nous avons pris certaines choses par défaut que ça devient des acquis. Vous voyez, ce n'est pas parce que dimanche, les motos... Non. Pour un événement qui va utiliser la voie publique, je crois qu'au préalable, il y a une demande. Il y a un communiqué qui dit, demain, peut-être cette route sera bloquée de tel à tel moment. Il y a une déviation. On met des agents de sécurité, des agents de forces de l'ordre pour diriger cet événement. Mais ici, nous avons... cette capacité de se lever, on pense que parce que nous faisons le sport, nous avons droit sur les autres. Non, celui qui sort de sa maison avec sa voiture, lui n'était pas au courant. D'ailleurs, peut-être il va se dire, cette route, elle est dégagée. Puisque d'habitude, il prend cette route, il n'y a personne. Et en plus, dimanche, le gars, il roule normalement et brusquement. Puisqu'il n'y a pas un panneau qui annonce qu'il y a... Même celui qui reste, est-ce qu'il a une tenue spéciale qui signale que, bon, lui, là, avec sa tenue, là, c'est différent. Peut-être qu'il voudrait pas de gilet, rien. Comment vous voulez qu'on comprenne? Nous prenons certaines, quand nous disons que ce truc ne va pas, ce n'est pas seulement à un seul niveau. Hein. Vous prenez même des fois, vous voyez certaines routes. Il y a des gens qui se permettent de stationner en plein milieu de la route. Je ne sais pas si eux, ils décident, ah, la route, là, la voie, elle est large. OK, nous allons occuper le milieu. Alors que ce n'est pas un parking, mais ils décident d'y s'y mettre là. C'est parce qu'ils ignorent les risques. Ils ignorent aussi tout déjà. Ok, bon, quel comportement les autres usagers doivent adopter vis-à-vis de ces enfants, ces piétons qui traversent la chaussée? Écoutez, quand nous parlons de... En fait, les usagers, nous avons des usagers vulnérables. Déjà vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas protégés. C'est nos enfants, les handicapés... Et ceux qui ont une mobilité un peu réduite, et même les deux roues, voilà, ils sont exposés aussi. Et ceux qui sont dans les véhicules devraient faire beaucoup attention à eux. Bon, surtout au niveau de nos enfants. Et c'est très important. Ce n'est pas une leçon que je donne à quelqu'un, mais je me dis que ce n'est pas, c'est pas possible qu'un parent qui est sur sa moto, dans son véhicule, il voit un enfant qui veut passer, qui veut traverser, il refuse quand même de le donner le passage. C'est bizarre. Le ramasser. Jusqu'à le ramasser. Voilà, c'est bizarre. Déjà, à cette rentrée, on a déjà un mort. Bon, moi, je me dis, et les gens ne savent pas, quand tu crois que c'est sur la tête des autres, c'est faux. Il a dit que quand tu le sèmes, tu vas le voir de l'autre côté. Tu vois un enfant devant toi, tu te dis que non, c'est pas mon enfant. Et ton enfant n'est pas avec toi là-bas. Il est à quelque part. Quand tu le sèmes ici, quelqu'un va le semer dans la vie de ton enfant. Mais est-ce que nous tous, on comprend ça comme ça? Je ne sais pas comment le dire. Et donc ça doit être une loi. En principe, il y a des lois qui sont là, des arrêtés qu'on sort, mais il reste encore au niveau de la législation. Pour corser un peu, pour que nous pouvons y arriver. Il faut plus de prudence sur nos routes. Et même les passages qui sont vraiment en voie de disparition. Parce que les gens, la couleur. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a les passages pour piétons, mais qui sont effrités. Complètement. Et donc, aussi, bon, nous louons les efforts de nos autorités parce qu'aujourd'hui, on a des passerelles qui sont devant quelques écoles. Oui, ça aussi c'est pour ça fait partie des dispositifs quand même de sécurité, oui. Ça c'est normal, c'est par rapport à la configuration maintenant, c'est ça, c'est justement est-ce ça. Que ça répond, c'est à ces endroits là quelqu'un disait dans sa chanson, on n'achète pas un cœur à quelqu'un qui a besoin de je sais plus qu'est-ce qu'il au fait, en réalité, ce que je voudrais dire, c'est vrai, les passerelles, c'est vrai que ça rejoue, mais la question,
ce devoir depuis l'existence de ces passerelles. Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les utilise réellement? Il faut les déposer là où c'est très, c'est nécessaire. S'il se trouve, si cette passerelle se trouve à un endroit, quand vous dites que c'est aux abords des écoles, non, moi je n'ai pas encore vu. Hein. Les passerelles que j'ai vues, ce n'est pas carrément aux abords des écoles. Bon, des il y a écoles. Un à Boudrafo. Ah oui, bon, à Boudrafo, je ne suis pas encore allé. Je suis, bon, ce qui est à Lomé, ce n'est pas, pas bon, aux abords. Ce qui est à Boudrafo, par exemple, à l'approche de ce passerelle, il y a encore un passage clouté. Et ça, c'est ce qui est grave. Parce maintenant, que, il fait quoi au voilà, fait le gars fait quoi alors? Oui, bon, il n'y a pas quelque chose qui contraint non, les piétons à l'utiliser. Il y a, oui, il y a cette contrainte déjà, il y a cette problématique, c'est que les passerelles qu'on nous a disposées et dispersées, il n'y a pas de contrainte. Vous savez, samedi passé, il y a eu un accident au Zongo, en allant vers le Zongo, non loin de la passerelle. Vous savez, les gens, ils se disent... La passerelle est située. C'est vrai que nous ne pouvons pas, on ne peut pas mettre des passerelles à chaque 5 mètres. Ça, c'est clair. Mais on peut mettre une contrainte, imposer une contrainte qui amène ce gars. Si vous mettez une passerelle ici, il faut un terre-plein bien haut pour qu'il ne puisse pas jusqu'au niveau de la passerelle. Le gars, il va se dire, ah ben, je ne peux pas traverser, il n'y a qu'une seule possibilité. Il va utiliser la passerelle. Voir les passerelles avec des feux tricolores à 3 mètres. Il doit avoir une intercession là-bas. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Il profite de l'intercession. Et puis, il passe. Ok, nous en passons et puis nous demandons. Aujourd'hui, ce que nous constatons sur nos routes, c'est qu'il y a le refus de priorité aux piétons. Est-ce que cela est sanctionné? Parce que ailleurs, nous avions dit que, vu que vous payez une amende de 135 euros, et on vous enlève 6 points. Est-ce qu'ici, il y a une sanction pour cela? Alors, Adonayo a dit un truc. Hein. C'est vrai que nous avons des lois. Des fois, parfois même, nous disposons de belles lois. C'est dans l'application même de cette loi. Curiosité, il a parlé de la législation. Vous pensez que déjà, nous n'avons pas assez de... Comme on a dit, comment voulez-vous que ce type sache que quelqu'un a refusé priorité à un piéton quelque part? C'est la difficulté. Il va falloir encore que celui qui sanctionne sache que ça s'est passé. Mais comment il va le savoir? Nous n'avons pas de caméra à tous les ronds-points. La difficulté, c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai vu à Todman, juste avant Forever Living, vous parler tantôt. Et là, c'est encore pire. Non seulement, il n'a pas cédé le passage à cet élève, mais parce que l'élève s'est engagé alors que lui, il venait, il a sorti une cravache de sa voiture pour frapper l'élève. Au jour d'aujourd'hui? Mais je te dis... On a même interpellé ce monsieur. Parce qu'il ne sait pas, lui, il n'a pas compris que pour lui, il pense que c'est des dessins. Et donc, lui, il veut passer. Et l'enfant, comment se fait-il que l'enfant s'engage? C'est lui plutôt qui a sorti un truc de cravache en cuir, je ne sais pas, de son tableau. Il a frappé l'enfant. Vous pouvez comprendre ça. C'est pour ça que je dis, par exemple, ce taximan, si vous le prenez, vous lui posez la question, et d'ailleurs on l'a arrêté, je lui ai demandé, mais tu es normal? Il dit non, l'enfant ne voit pas, il traverse. Je dis, est-ce que tu as vu où l'enfant a traversé? Non, est-ce que celui-là a eu son code avant de se mettre au volant? C'est le manque, l'ignorance. Si, après l'avoir interpellé, il raisonne de cette manière. Il dit que, parce que si on leur dit pas, les enfants là, quand ils sortent à midi, ils ne voient pas que le véhicule. Je dis, messieurs, est-ce que vous savez, l'enfant, lui au moins, il a sincèrement, hein, l'enfant a respecté, il s'est mis sur le... Non, le gars dit non. Moi, c'est à moi de passer. Vous voyez? Eh bien, nous n'en parlons pas assez. C'est pour ça que je dis qu'il devrait avoir des émissions, Radio Lomé, télévision, tout ça, tous les jours, pour parler de ces choses. Même si ce type n'était pas allé pour faire une formation, au moins quand il capte sa radio et qu'il entend toujours parler. Et ici, là, quand le piéton, même s'il n'y a pas de feu tricolore, quand le piéton s'engage, c'est lui. C'est pour ça qu'on a mis, c'est aménagé pour le piéton.
Nous n'avons pas ça. D'ailleurs, certaines configurations de chez nous, même, met le piéton en difficulté. Nous avons des fois des feux tricolores. Nous avons d'abord le passage clouté avant le feu. Le feu. D'où les véhicules viennent, la ligne des feux. S'ils commencent à s'arrêter ici, ils empiètent sur le passage piéton. Mais ou, du coup, comment vous voulez qu'on comprenne? J'ai même la ligne de feu qui vient après le feu. Ben voilà. Donc, c'est ça, c'est tout ça. L'ignorance, c'est à tous les niveaux. Hein. Ok, je vais faire une petite parenthèse pour parler de l'accident qui s'est produit là, entre un bus et un camion. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, c'est à Tapamé. Bien sûr. Un bus de Solim. Un bus de transport en commun. Ouais. C'est triste, d'ailleurs, c'est ce que nous disons. Mais c'est nous triste. Étions venus ici, on a dit, chaque fois c'est là-bas, chaque fois c'est là-bas. C'est un lieu accidentogène. Et toujours, c'est les mêmes choses et... Je ne sais pas. En fait, il n'y a pas une mesure d'accompagnement, quelque chose qui doit être... Accompagner quoi? Les accidents? Les accidents, pour que ça se reproduise. Ou bien quoi? Non, bon, en fait, si je le dis, peut-être... Il y a peut-être des dispositions. Des dispositions, voilà, parce que si on dit mesure d'accompagnement, et bien on les accompagne, voilà, pour qu'ils fassent encore plus d'accidents, c'est clair. Moi, je vois ce qui s'est passé l'autre fois. Ça m'a paru bizarre parce que au niveau des journaux, ils ne consomment pas de 60 places et il y a une dizaine qui sont actuellement, alors que c'est faux. Oui, c'est vrai, ils ont dit qu'il n'y a que 10 survivants. Ah, voilà. Alors que, d'autres disent qu'il y a 6 morts. Ah, voilà. Ce qui est sûr, il y a des morts. Il y a des morts. Okay. Moi, j'ai pu quand même contacter des gens directement qui ont fait chez moi, qui ont eu le permis chez moi. Et le gars, moi, c'est un ami à moi. Je me dis, bon. On ne sait jamais, il est impliqué ou quoi. Il m'a dit, ah Dieu merci, il n'est pas impliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est dans les environs de 22h à 23h que l'accident s'est passé. C'est un bus de 35 places. Alors, ce qui s'est passé, c'est les mêmes erreurs. Parce que les gens garent sans se faire signaler. Un petit amant qui a garé, il ne s'est pas signalé. Et le gars, quand il est surpris, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voulait l'éviter. Quand il veut éviter, en ce moment, rien d'autre titan venait. Bon, lui n'avait pas vu celui qui a garé. Non, parce que c'est des titans manos. Derrière même les catafalques, tout ce qui est feu arrière, non. Oh, c'est toujours comme ça. Ouais. Et je me dis qu'ils disent que ça s'est passé. Ils disent non, c'est tout. Ça se repose sur le conducteur. Oui, moi, tout se repose sur le conducteur. Moi, ce que je pense, c'est comme Manassé l'a dit. Au Togo, les accidents se passent et se ressemblent. Il n'y a pas un qui est inédit, c'est-à-dire un nouveau, non. Quand Adonai disait, oui, toujours le stationnement sans signalement, est-ce que c'est la première fois? Non. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Non, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le gros problème. Alors, ce qu'il faut faire, c'est toujours les autres qui payent, vous voyez? Et moi, je pense qu'il faut maintenant, à partir de maintenant, aller au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Désormais, quand il y a un accident, qu'on essaie de situer les responsabilités. Claire, hein? Si c'est une erreur humaine, que ces gens-là soient sanctionnés. Au-delà, qu'on regarde, parce que c'est des comportements à risque. La faute ne vient pas seulement de celui qui est stationné. Non. Un conducteur doit être attentionné et regardé à tout moment. Ce n'est pas seulement la faute au conducteur. Il faut qu'on aille plus loin. Moi, je dis que si c'est une faute humaine, il faut qu'on regarde dans les formations de ce chauffeur depuis qu'il est en service. Est-ce qu'il a eu des formations continues? Si ça aussi, ce n'est pas fait, il faut taper. Parce qu'il ne suffit pas, c'est louable de mettre des bus à la disposition de la population pour nous transporter. Mais vous devez être garant. Surtout de la sécurité et de la vie de ces personnes. Voilà, aussitôt au niveau des sociétés mais bien sûr. Qui sont chargées de nous transporter. Il ne suffit pas, mais de, dire, pas suffit oui. de dire qu'on a fait ça, c'est fini. Non. On a acheté non. des bus, on a mis des bus, mais non, il faut former les chauffeurs. Les chauffeurs, là. Il faut former. Et à partir d'aujourd'hui, moi, si nous avions les moyens, c'est pour ça que je dis depuis moi,
Si moi, j'étais aux affaires et que c'est moi qui dois sanctionner ces messieurs, je vais aller regarder bien dans tout. Hein. Si c'est le chauffeur qui a fait erreur, il est à sanctionner. Fort. Pour que ce genre de choses ne se réalisent. Même la société, même. C'est ce que je dis. Et la société, si, la peu importe, oui. Si, parce que nous avons deux cas, si c'est l'erreur humaine ou une erreur technique, même si c'est technique, si on me dit que c'est un pneu qui est à l'origine, je dois retourner, revoir leurs documents. Est-ce que quelqu'un a signalé que ce pneu-là n'était pas... Il faut qu'on mette ces gens de disposition et vous allez voir que les gens... Mais sinon, qu'est-ce que les gens y font? Baf, moi, je ne suis pas responsable. C'est le chauffeur. Si on enferme le chauffeur, le gars, le patron, lui, est assis tranquille. Alors, le lendemain, voilà, les vieux choses véhiculent encore sur ceux le... Ceux qui ont perdu leurs parents, pour ceux qui sont blessés à vie, c'est fini. Personne ne parle d'eux. Voici des situations nos condoléances aux parents. C'est vraiment c'est l'occasion de présenter nos condoléances aux familles éplorées et prompte guérison aux blessés. Mais franchement, c'est un message à l'endroit de nos dirigeants. Il faut désormais mettre ce truc-là. Il faut sanctionner les gens. Au-delà, c'est-à-dire même les sociétés, elles sont responsables des non-formations. Est-ce que les chauffeurs se reposent comme il faut? Il faut voir tout ça. Moi, je m'en vais quand même évoquer un cas, c'est au niveau des syndicats. Ces regroupements-là, les organes qui se regroupent en quoi en entité, disent qu'ils sont des tels, bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Est-ce que leurs partisans... Non, ils doivent participer à la sécurité routière. C'est un regroupement-là. C'est normal. Et en quoi faisant? Mais ils sont sensibilisation, du moins. Mais tu viens de le dire. Mais c'est M. Loire qui vient de le dire. Il disait, même s'ils ne sont pas formés pour avoir le code même, dans la sensibilisation, ils sont quand même veillants en disant que, oh, à la radio, j'ai écouté ça. Mais ce nom, quelqu'un était venu nous a sensibilisé sur une thématique. Et maintenant, j'ai pris conscience que je ne peux pas le faire. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire? Quels moyens, mon frère? Pourquoi ils se regroupent en association alors? Ils payent, ils sont sur les routes. Les routes, les tickets, on sort chaque jour. Alors, est-ce qu'une seule fois, ces organisations, il a touché du doigt, s'est adressé à un professionnel pour dire « j'avais besoin de vous pour venir au moins 100 ». Quand vous prenez de l'argent auprès des gens, c'est comme j'ai un manguier et je veux que ça donne des fruits, mais je ne l'arrose pas. Je ne l'entretiens pas. Donc, tu n'auras pas le fruit. Bien. Quand vous avez des conducteurs qui se sont réunis, c'est comme un papa. Vous les protégez. De temps en temps, organisez une sensibilisation. Vous appelez des professionnels et vous leur dites, écoutez, nous avons cette année organisé ça pour vous. Est-ce qu'on le fait? Oh, on le fait. Et de deux, vous pouvez pas imaginer que l'État, je pense que c'est en 2014, non, il y avait une loi sur la conduite nocturne. Oui. La conduite nocturne, en principe, je pense que c'est 21, non? Un truc comme ça, à 4 heures du matin. Oui, il y avait eu assez d'accidents. Voilà. Et on avait demandé. Voilà. Et que... personne ne devait. Mais au niveau des bus, ils sont des binômes. Des bus, normalement, pour un long trajet, il y a toujours deux chauffeurs. Et après 18 heures, voilà, il ne doit plus. Est-ce qu'aujourd'hui. C'est parti dans c'est les oubliettes. Parti dans les oubliettes. Et ça veut dire que c'est eux-mêmes qui se plaignent. C'est-à-dire que ces associations, ces syndicats. Pourquoi vous avez mis ça? Merci. Pourquoi vous avez mis ça? Pas de voilà. Et voilà, l'État aussi, bon, avec ses. Bon, est-ce que, bon, c'est pour le profit qu'il ne fallait plus le faire? Oui, pour les concernés, c'est pour le profit. Ils s'en fichent. Mais l'État ne devrait pas céder. Voilà, céder à ces gens de profit. Quand on a une règle qui est d'intérêt général, on n'a pas à s'occuper parce qu'un groupuscule, autre dit que c'est comme ça. Non, le groupuscule qui dit que c'est comme ça. Si on lui demande après un accident d'indemniser tout le monde, vous pensez, est-ce qu'il est capable de le faire? Il ne peut pas. Lui, dans l'immédiat, ce qui l'intéresse, c'est son profit personnel. Nous parlons ici d'intérêt général. Il faut vraiment mettre les moyens pour ça. C'est très important. Ok, merci beaucoup. Et avant de quitter le plateau, qu'est-ce que vous avez à l'endroit des élèves, des conducteurs, c'est-à-dire les chauffeurs sur la route et les parents, les maîtres d'école? Monsieur Panda. Alors, mon message, c'est en effet assez adressé aux parents, d'abord.
Il faut qu'on prenne conscience. C'est vrai que nous disons, oui, on n'a pas fait, mais les enfants, ce sont nous-mêmes aussi nos enfants. L'enfant reçoit la première éducation à la maison. D'ailleurs même, un enfant, il a beau fréquenter, quand il se comporte mal, je ne comprends pas bien Mina, mais qu'est-ce qu'on dit, Dimakla? Ça revient à qui? Aux parents. Aux parents. On dit que tes parents ne t'ont pas bien éduqué. On ne parle pas d'enseignant. Donc, il est temps que nous-mêmes, en tant que parents, nous prenons conscience. Parce que c'est nous qui perdons nos enfants. Je peux moi aussi prendre mon enfant à la maison avant de sortir pour lui dire les règles à respecter sur la route. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un constat, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont plus peur des véhicules. Il faut qu'on le dise. Vous avez en face de vous un enfant, vous avez beau klaxonner, ce gars, il continue sa route tranquillement. Alors que tu klaxonnais pour lui dire peut-être qu'il empiète. Non, le gars, il ne se retourne même pas. Au pire, il dit que c'est à toi de l'éviter. On a entendu même des phrases « Eyamulekwama, Eyamulekwanoa ». C'est dangereux. Donc, il faut que les parents prennent conscience. Il ne suffit pas d'attendre quand le drame arrive et de rester crier, pleurer. Non. Il faut en amont que nous-mêmes, nous éduquions nos enfants à la maison par rapport à ça. Ça, c'est un. Ne pas attendre seulement que ce soit l'État qui fasse tout. Alors, c'est adressé aux parents. Aux enseignants aussi, vous êtes complémentaires des parents. Quand on dit un enseignant, un formateur, attention, tout est dit. C'est vrai que nous prenons en compte, un formateur donne des savoirs, mais nous prenons en compte que deux facteurs, le savoir-faire, et puis on s'arrête. On ne s'occupe pas beaucoup du savoir-être, alors que c'est le savoir-être qui nous amène à appliquer tout le reste, selon moi. Donc, au maître aussi, ne pas se fatiguer, c'est votre travail. Rappelez à vos élèves, même à la fin de la journée, il reste 5 minutes pour midi, dire aux jeunes, vous savez, traverser la route, faites comme ça, ça ne coûte rien. Donc, c'est le message que moi j'ai à l'endroit des enseignants et des parents. Et pour les jeunes, c'est rare de les trouver pour leur dire un message. Et bon, alors, je confie ce message aux parents et aux enseignants. Oui, Adonai. Alors, je tiens à dire merci à ceux-là et qui ont vraiment œuvré pour que la rentrée soit effective, les autorités. Mais aux parents, écoutez, il faut être avant de faire, comme il vient de dire. Donc, ça part depuis la maison. Ça part depuis la maison, c'est très important. À l'école, il n'y a pas de souci. Puisque l'enfant de 1 à 5 ans, il se dit, il est le père de l'homme, comme on a souvent l'habitude de le dire. Donc, lui, il capte quelque chose, il est en train de recevoir quelque chose. Et sur le tableau, c'est l'instructeur qui lui dit que le piéton est prioritaire. Il est violent, donc on doit lui céder le passage. L'enfant, il se dit, ah ou, dans sa tête, merci, aujourd'hui, au moins, je dois passer avant les autres. Il se pointe maintenant au bord de la route. Le moment de passer, c'est en ce moment qu'on lui donne un coup de quoi là, derrière sa tête. On dit, à 7 ans, au dia ou moyen. Et c'est dit, il se retourne, il se dit, bon. Ça veut dire que l'instructeur m'a trompé. C'est qui m'a dit là? Mais c'est qui? Deux choses différentes pour le même type. Pour le même type. Donc, il se dit, donc, ça veut dire que donc, il faut tout bicher, faire un basta chronique et venir restituer. Et mais la pratique là, c'est différent. Donc, c'est fini. Ça crée un déséquilibre dans la tête de nos enfants. Vous voyez? Donc, l'instructeur doit savoir qu'il est en train de former un futur cadre de ce pays qui doit quand même gérer, c'est-à-dire toute une nation. C'est très important. Donc, en ce qui concerne la sécurité sur nos routes, nous sommes disposés et disponibles, l'association d'Evanier. C'est clair? Il faut apporter notre savoir-faire quand même ce que nous pouvons. C'est-à-dire pour le bien-être de la population en termes de sécurité routière. Parler aux enfants dans les classes, c'est-à-dire sensibiliser, comment traverser la route, tout ça là. Ce n'est pas seulement les enfants. Chaque lundi, allez voir les syndicats des couturiers, des tailleurs, quoi, là, qui se retrouvent. Oui, oui. En grand nombre. Et ils font des recyclages au jour le jour. Au jour. Mais ils ont besoin de quoi? Ils sont passés où pour arriver là-bas? C'est sur la route toujours. Oui. Ils ont emprunté une route. Mais les différentes parties d'une route, ils n'en savent rien. Vous voyez, ils se sauvent parce que quelqu'un juste voulait se sauver. Bon, tout ça là, il faut avoir une base.
Donc, la sécurité routière, ce n'est pas une affaire de quelqu'un, c'est pour nous tous. Donc, c'est un message que nous passons à la population togolaise. Et enfin, en disant que nous sommes toujours prêts à recevoir vos dons, les kits et consorts pour mettre la joie dans la vie de ces enfants orphelins. Merci. Okay, merci beaucoup. Nous tenons à dire à l'endroit des conducteurs que lorsque vous voyez un piéton qui traverse, cédez. Je vous en prie. Alors, sur ça, s'achève notre émission et nous remercions les téléspectateurs. Nous remercions M. Pandam pour ses multiples explications, de même que M. Adonai. Alors, pour la prochaine fois, on se retrouve. Bye bye.